Hello tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. On est dimanche, je suis en compagnie de monsieur Raphaël. Voilà, on va faire les courses. Et on a été pris un peu de cours, hein. Hier je dis oui demain matin je dors et tout. Puis finalement j'ai passé une nuit nulle, mais nulle. Parce que Pixel il m'a réveillé au moins 5 fois. Et donc j'étais dans mon lit, tout, je regarde l'heure, je suis bon allez 7h30. Bah tant pis, je me lève. Je suis devant mon PC, je fais ma petite vie. Puis à un moment je regarde l'heure, 9h30. J'ai Raphaël, bah non, tout le temps il passe vite quand on fout rien. Et il me dit, bah non, il y a le changement d'heure. Oh non! Donc du coup, j'étais dégoûtée. Du coup, là, il est 10h45, on est d'accord. Je viens de la régler. Tu viens de la régler, ouais, donc c'est bon. Donc là, il va déjà être 11h, du coup, j'ai l'impression d'avoir rien fait ce matin et d'être déjà dans le rush. Parce que bien sûr, Auchan ferme à midi et demi. Donc oui, nous faisons nos courses nos dimanches, le dimanche matin. Ne nous lancez pas des pierres, je travaille le samedi. Voilà. Donc j'ai pas trop le choix. Il y a le samedi faire les courses. Ça t'arrive, mais c'est, enfin, on aime bien quand même y aller tous les deux parce que sinon lui il en oublie, moi j'en oublie. Enfin. Pas spécialement, mais. Si des fois j'ai faire les magasins à deux. Quand je suis toute seule, j'oublie tes trucs pour la semaine. Oui. Donc lui il mange au boulot. Ouais, je. C'est vrai, en général, je la dernière fois que j'ai été faire les courses, j'ai rien oublié. Oui, mais je t'ai fait une liste. Mais si tu vas non, tu m'as pas fait de liste. Si, je t'ai dit, oublie pas pour mercredi. Tu m'as dit, prends des gâteaux pour nous. Voilà ce que tu m'as dit. Ah oui, c'est vrai. C'est tout. J'ai pris des gâteaux pour nous, mais tout le reste. Cet homme est parfait, dis. Non, je ne suis pas parfait. Mais si, il dit ça en rigolant, en mode. Mais non, mais c'est pas ça. C'est juste que toi, tu oublies mes trucs, moi, j'oublie pas les tiens. Parce que moi, je pense à toi. Tête de mort. Ah je vous jure, qu'est-ce qu'il faut pas entendre. Mais bon voilà, bref, c'est quand même plus simple quand on y va à deux. Surtout que là on fait un plein de courses, c'est pas juste des petites courses. Bah, il y a tous les pâtes de lait, les jus d'orange, il y a tout ça à soulever et tout seul, c'est compliqué. Donc vous, les petits sont restés à la maison, hein, bien sûr. Ils sont encore tous en pyjama. Et il fait beau aujourd'hui. On va aller laver la voiture. Ouais, il fait beau et on sait pas quoi faire. Moi faut que je fasse quand même, faut que je finisse des tutos, faut pas déconner. Hein. Faut que je traîne, mais ça va pas se faire tout seul, j'ai pas mal de trucs à avancer donc faut que je fasse ça un petit peu, mais on aurait bien été se promener quand même un peu, non? Qu'en penses-tu? Je sais pas. Il fait beau. Il fait frais quand même. Oui, mais là, normal, c'est le matin. Vrai. Il devrait être que 9h47. Oui. C'est pour ça. Oui. Mais il fait grand soleil, tantôt il va faire super beau. Je voulais aller voir Dumbo, moi. Au cinéma, il fait pas beau. Mais tu vas pas aller voir Dumbo, moi. Tu vas, mais sans moi. Je veux pas aller voir d'un. Ça m'intéresse pas. Je veux pas l'intérêt. Après, de payer ouais. Une place de ciné pour un truc qui m'intéresse pas du tout. Après, c'est parce que je voulais voir un petit peu comment Tim Burton avait tourné ça. C'est surtout ça. Des films plus intéressants à aller voir. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Je dis pas le contraire. C'est plus par curiosité de voir. Parce que j'aime bien comment ils tournent à chaque fois les Disney. Et là, je voulais voir. C'est pas pour autant que c'est un bon film à aller voir au ciné. Ah, mais tu me saoules. J'ai compris. Bon, allez, arrête de parler, on y va. Les courses. On vient de finir les courses. On a lavé la voiture parce que, comment vous dire, il y a certains moineaux qui se sont lâchés. Mais bébé, on dirait de la terre. Mais non, c'est de la terre. Hein. Cassé dit que c'est crotte de moineaux. Hein. C'est de la terre. Hein. Il y en a qui se sont amusés à nous jeter des projectiles sur la voiture. Salut. Coucou, vous. Pendant ce temps-là, monsieur, bah, il travaille bien. C'est cool. Bon, on a pris notre temps. On a flémardé. C'est le cas de le dire. On a pris notre temps. Mais c'est dimanche et il fait beau. Bon, on va au magasin pour acheter un harnais à Jack. Parce que ça, c'était l'ancien harnais de Jack. Mais regardez la taille qu'il fait. Il est tout petit, le harnais. Et on l'a essayé à Pixel, il lui va. Donc du coup, Jack commençait à être étriqué dedans. J'avais dit à Raph la dernière fois. C'était compliqué. Y arrives-tu? Il est un petit peu lâche pour Pixel. Mais étant donné que c'est un harnais qui englobe bien le... Je le tenais. Le corps de l'animal, regardez. Si, il est pas ça. Par contre, ça fait bizarre, du marron. On va te racheter un nouveau, toi, mon bébé. Ah bah, fais pas ça, fais pas ça. Calme-toi. Et on va aller au parc avec. C'est parti, Kiki? Oui, c'est parti. Bon, on a trouvé la laisse pour Jack. Donc, c'est exactement en fait la même que celle qu'il avait avant. Donc, celle-là servira à Pixel, celle-là à Jack. Et petit Jack a un nouveau harnais. Et là, il est tout noir. Et Pixel, bah, il a le petit harnais marron. Voilà. Allez, on va promener tout ça. Bon, là, on va faire un tour à l'île aux planches. Enfin, le parc, l'île aux planches. Au Mans. On n'y a jamais été. Donc, écoutez. Bah, on va voir. C'est la meilleure façon de savoir. Il y a plein de parcs au Mans. On en a fait combien? Au rond-point, prenez la première sortie. Voilà, vous savez tout.
On a fait combien de parcs? Deux. Hein. Le truc des fleurs là, je sais plus comment ça s'appelle. Et l'arche. Enfin pas l'arche, mais. Prenez la première sortie. L'arche de nature. Et l'autre c'est le. Du lac aussi, de. Côté de la Lonne là-bas. Ah oui aussi, exactement. Oui, mais il n'y a pas de jeu là-bas pour. Bon voilà, on va à l'île aux planches, on verra bien ce que ça donne. Parce que c'est pareil, on essaye de trouver des parcs où il y a des jeux. Tournez à droite, puis tournez à droite. Il y a des jeux, mais les structures sont quand même adaptées à l'âge de mes enfants. Restez à gauche sur boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny. Puis au rond-point, prenez la quatrième sortie pour rejoindre boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny. Ok, on va aller suivre Tassigny. Oui, on veut pas des petits toboggans, choses comme ça. On essaie de trouver quand même des jeux adaptés. Donc normalement, l'île aux planches, c'est ce qu'il faut. On y va. Il y a beaucoup de monde sur ce parc. Les chiens, les enfants. C'est grand, mais c'est pas oufissime. Et je peux pas trop filmer parce qu'il y a du monde partout. Quoi. En même temps, on aime bien, c'est un parc. Normal. En gros, ça se présente comme ça. Voilà, c'est une grande. Ouais, bof. Bon, on a été de l'autre côté du parc et on a découvert ça. Je savais même pas qu'il y avait des bateaux au Mans. Écoutez. Maintenant je le sais. J'aimerais bien avoir un bateau comme hein? Ça pour voyager. Pixel est dans les bras de papa parce que Pixel. J'arrive plus à parler moi. Parce que Pixel, il s'arrête en plein milieu et il pigne en mode prenez-moi s'il vous plaît, j'arrive plus. Un bébé chien. On a été arrêté par des gens qui étaient en adoration devant ce petit. Sinon lui, c'est une canaille. Il s'arrête tous les 2 mètres pour pisser. Il est fatigant. Mais surtout, hein, les arbres, les poubelles, les pneus de voiture. Il a pas fait nos chaussures encore, ça va. Mais c'est fatigant. Mais du coup, c'est beau. Hein. Il fait beau. Bon, on va retourner à la voiture, on va refaire le sens inverse, mais on va se rentrer parce que le parc, c'est pas le style de parc que. Voilà. Une grande prairie avec des routes au milieu. Il n'y a rien de foufou. Donc là, on a pris notre route. Et le parc, il est là, en fait. Vous voyez, c'est pas fou, quoi. J'ai une maison. Et il y a du monde. Il fait beau, ça se voit. Mais bon, ça nous a promené, on a marché, c'est cool. Bon, bah nous voilà repartis. Je sais pas, on y est resté combien de temps? Pas longtemps. Pas très longtemps, non. On a fait combien de kilomètres là? T'as pas fait un kilomètre là. J'ai pas fait un kilomètre. Bah non. Oh. J'ai mal aux jambes. On a. On a fait l'aller et puis. Bon après c'est pas un parc fifou hein. Bon on le saura hein. Maman t'es comme ça qu'on sait. Hein. Voilà. Moi perso je préférais le parc qui avait. Parc des fleurs, je sais pas quoi. Ouais. Ouais. Il est beau celui-là. Sympa. Non là voilà. Mais voilà, ça nous a permis de tester la LEF avec Pixel, bah il sera. Hein. Bon, au début il était pas trop d'accord. Et puis après non, il avance. Bon après il fait pas beaucoup de kilomètres. Hein. Au bout d'un moment, il est vite fatigué. Il s'arrête, il pigne en mode prenez-moi s'il vous plaît. Jack, très relou, je vous l'ai déjà expliqué tout à l'heure, et ça arrête tous les. Je sais pas moi. Tous les arbres. Tous les arbres. Il dit ses messages. Tous les arbres, toutes les pneus, tous les bouts de trucs en fait. Il s'arrête, il sent, il pisse. Ah bah il laisse des messages et il lit ses mails. Il lit ses SMS et tout. Vous voyez le parc, il est là, on le voit là. Là, il y a une grande statue, je sais pas si vous la verrez. Si, et vous la voyez. Des bateaux. Et des bateaux. Je savais pas qu'on avait des bateaux sur le monde. Après, c'est sympa à voir, c'est joli, enfin, c'est un. Enfin, c'est joli, c'est pas. Ouais. Non, c'est pas joli. C'est pas joli. C'est parce qu'il fait beau. Hein? C'est quoi? Attends, c'est une écluse, hein, ça se lève. Ah oui! C'est quoi une écluse? Là? Ah, je savais pas. On vient de découvrir quelque chose? Non, c'est pas une écluse, c'est juste un barrage. C'est juste un barrage? Oui. Pourquoi il est sur Vérin le barrage alors? Ah bah non, c'est pas une écluse. Hein. Il va y en avoir un autre ailleurs. Ouais, il va faire monter le niveau. Il y a des vérins là, tu vois, et du coup ça monte, le mur comme ça, ah, monte. C'est peut-être un barrage alors, mais qui peut faire varier la. Je sais pas si vous verrez là. Bref. Bonjour, c'est un barrage. Oui, c'est un barrage. Donc là, on se rentre à la maison, on va aller laver la voiture avant, mettre de l'essence, et puis après on va se rentrer. Les petits, on pourra aller jouer dehors en espérant qu'aujourd'hui il n'y ait pas de catastrophe, parce que oui, Timio, je vous ai montré son doigt vendredi. Hier, il a passé la journée dehors, et puis il est rentré en pleurant. Parce que Tim ne regarde pas devant lui, Tim il courait dehors. Et mon petit voisin, il était en vélo, et pareil, il roulait, mais sans regarder devant lui. Du coup ils se sont entrechoqués et Timio a cogné son genou dans le pneu. Oh, c'était un jeu d'âne.
dans le pneu et depuis il a très mal au genou, c'est un peu gonflé au-dessus. Et bah, on attend de voir quoi. Tu mets de la pommade et tout, on verra bien. Ça n'a pas l'air cassé parce qu'il marche et tout, mais je sais pas. Là mon corps ça commence à... Vraiment, j'aime vraiment pas cette zone là du Mans. Non, du Mans. Le centre-ville là. Non, j'aime pas du tout. Je sais pas, c'est le Mans quoi. C'est vilain. C'est le Mans centre de toute façon, mais ça. Ouais, j'aime pas. Ah, non plus. C'est pas beau. Hein. C'est tout gris. Bah après, c'est le vieux. Autant le vieux Mans. Non, le vieux Mans c'est beau. Mais là, c'est moche. Là, on n'est pas loin de l'amphithéâtre là. L'amphi ou un truc comme ça, il y a un grand. Ah non, plus du tout. Rien à voir. Moi et mon orientation, je vous raconte pas. Donc, on va faire tout ça, on va se rentrer. Et puis, bah, je vous prendrai à la maison, mais moi, je vais continuer mes vidéos. Finir mon punch needle. Moi, Raph, il va jouer. Et ce soir, on fait les clips. Bah, je sais pas du coup, parce qu'il y a encore le poulet à finir, tout ça. Bah, le poulet, il faut le finir à midi, mince. J'ai du poulet tous les jours. Mais du coup, on ferait des crêpes! Mais oui, des crêpes à quoi? Voilà, l'unanimité assise. Des crêpes! Et on dit, c'est papa qui les fait parce qu'elles sont meilleures que maman! C'est papa qui les fait parce qu'elles sont meilleures! C'est la majorité qui l'emporte. Peut-être qu'on veut de crêpes ce soir. Allez, mais c'est parce que c'est les meilleures, elles sont meilleures que maman. Ah bon? T'es dans Rust? Je peux pas, j'ai console. Ouais, c'est ça. Bah, c'est pas grave, bien. Bon, continue. Bon? Comme on l'a bien mérité, c'est banana split. Pour Timéo, c'est caramel beurre salé et chocolat blanc. Chantilly et chocolat. Maintenant, on attaque celui de Cassie. Donc, elle s'est préparée des bananes et ce sera fraise, chocolat, chantilly. Pour Enzo, c'est caramel beurre salé et noix de coco. Il a des goûts vraiment bien à lui, cet enfant. Et on ouvre la banane. Je suis trop contente, j'ai fini mon punch needle. Et pourquoi je suis aussi claire encore? Ah, ça m'agace ça. Regardez. Il est beau, hein? C'est tout fini. C'est assez simple, une fois qu'on a compris le principe, bon après j'ai encore la mauvaise manie de vouloir aller trop vite. Du coup des fois j'ai des boucles qui se barrent et je le vois pas tout de suite. Je le vois qu'après donc j'ai rattrapé quand même. Mais voilà ce que ça donne, c'est tout doux et derrière c'est tout côtelé. Hein. Je peux vous dire qu'il y a de l'épaisseur. Mais c'est super canon. J'aime beaucoup la technique, c'est très relaxant, c'est pas la petite aiguille comme le point de croix où vous voyez rien, vous avez mal aux yeux. Là c'est très gros donc finalement vous pouvez faire ça tranquillement. Et le fait de percer la toile c'est hyper satisfaisant, vraiment je trouve. Donc voilà, j'aurais plus qu'à monter la vidéo, ça c'est déjà fait. C'est pas mal. Là je vais finir de monter le vlog. Il est quelle heure on a Rafa? 18h46. Ah et puis après papa il va aller faire les crêpes. Comment il me regarde. C'est l'unanimité. On a voté pour toi, on a dit que tu faisais les meilleures crêpes. On va pas. Non, mais ça serait quand même dommage que ce soit moi qui les fasse et que on se tape pas un trip sur notre soirée crêpes, quoi. On va tous être devant nos assiettes, même moi je vais trouver ça dégueulasse. Ben, c'est sûr. Donc, non, il faut vraiment qu'on apprécie notre soirée crêpes et pour ça il faut que tu les fasses. Il y a que toi qui les fais bien. C'est toujours meilleur quand c'est les autres qui font. Ah, surtout quand c'est toi. Surtout quand c'est toi, vraiment. Non, non, mais c'est pas assez. C'est pas pour te mousser ou quoi ou pour te forcer à les faire, hein. C'est sincère, en fait. Bien sûr. Non, c'est sincère en plus. Je t'ai toujours dit que tes crêpes étaient meilleures que les miennes, même quand c'est moi qui les fais. Et d'ailleurs, quand c'est moi qui les fais. Tu sais pas faire à manger. Quand c'est moi qui les fais, tu me dis, oh, non, vraiment des crêpes. Voilà, on est toujours mieux servi que par soi-même, paraît-il. Ouais, bon, c'est pas forcément toujours vrai, parce que quand c'est moi qui cuisine, je me sers et. C'est pas toujours bon. On peut pas avoir des qualités partout. Je suis désolée, je suis pas parfaite. Je crois que je l'ai. Tu viens de t'en rendre compte, hein. Hein? Ça te fait du mal? Non. Tu t'as épousé une femme pas parfaite. Au bout de 20 Personne ans. N'est parfait. C'est vrai. Bon allez. Je me mets devant mon PC. Mais c'était une bonne journée, hein. J'ai bien aimé. On a travaillé, on a été se promener, on a travaillé. Nickel. C'est bien ça. Et il fait toujours aussi beau dehors. C'est super agréable. Les feuilles repoussent, les petites fleurs. On arrive dans les beaux jours. Et plus qu'une semaine de boulot. Et je suis en vacances. On est en vacances. Oh, c'est bon ça. Il faut que j'appelle Yemen pour leur dire qu'Enzo n'y va pas la première semaine.
Il y en a des choses à faire, je vous le dis. Bon allez, on continue. Il n'y a pas photo. Il fait les crêpes bien mieux que moi. Elles sont belles. Elles sont fines. Moi, ça sent pas du tout ça quand je les fais. C'est pour ça que c'est Raph qui les fait. Avec, on mettra un peu de sucre glace. De la pâte à tartiner, pâte à Milka. Nutella. Oui, il y a de l'huile de palme. Hein. Surtout dans la pâte à Milka, il y en a aussi. Mais bon, c'est pas tous les jours. Hein. Un petit peu de chocolat. Voilà. Et on n'oublie pas la chantilly. La chantilly. Bon appétit.